Et yo tout le monde, c'est YesGamer54, j'espère que vous allez bien YouTube. On se retrouve dans la même journée, hein. Je tourne dans la même journée que les deux précédents épisodes. Bon, on est un peu plus au soir maintenant, hein. Il est à peine 19h30, on dirait. Enfin, c'est pas on dirait, c'est même sûr. J'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour le troisième épisode de ce Let's Play sur God of War. Ghost of Spartiate, ou Sparta, le fantôme de Sparta, hein, voilà, on va dire tout simplement en français, c'est mieux. Du coup, on s'est arrêté ici, dans le deuxième épisode, à la fin du deuxième épisode, hein, on avait traversé les montes et les montagnes. Du coup, là, on va juste aller pouvoir continuer le chemin pour aller à notre prochaine destination. Déjà épisode 3 et on avance très très bien. Même si je sais qu'il va pas durer non plus longtemps longtemps les épisodes. Hein, je pense bah, on fait plus de d'un quart du jeu déjà. Facile. Mais ça me surprendrait même pas, tiens. Allez, voilà. Nous on utilise de magnifiques pouvoirs qui détruit tout le monde. Allez, aïe, allez, bien joué. Allez. Voilà, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il veut, gros costaud? Aïe, 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 lâche-moi. Voilà. Ouf, ouf. Voilà, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, t'es mort. T'es nul. Allez, go. Alors là, les amis, je vais essayer de vous faire deux épisodes encore ce soir. Comme ça fera quatre épisodes. Et comme ça, on avancera bien petit à petit parce que les prochains jeux que je compte vous faire, ça sera un peu différent parce que je les connais pas. Là, vu que je connais le jeu déjà, bon, ça, j'ai déjà fait. Oh purée, ça par contre, j'étais pas prêt. Ok. Vu ça, j'ai déjà fait longtemps, mais c'est les autres jeux que je compte vous faire après God of War, et ben c'est vraiment des jeux que je découvrirai en même temps que vous. Voilà, de A à Z. Du coup, ça va être trop bien. Aïe. Bon, bah. RIP. RIP pour aller au côté. Non mais du coup voilà quoi, ça va être cool, ça va être cool. Et pour ceux qui se demandent la question quand je fais la suite de Rise, Ronin, Avatar, vous inquiétez pas, hein, ça sera arrivé dans la semaine. Faudra que je tourne Raw, Monday Night Raw du mode univers dans la semaine aussi. Du coup, faudra que je fasse Raw et SmackDown. Comme ça, au moins, on prend un petit peu d'avance pour une note d'univers, hein, évidemment. Et puis voilà. Vous inquiétez pas, les amis. Là, vu que je suis en vacances pendant toute la semaine, j'essayais d'avancer dans le Let's Play de God of War, d'avancer aussi dans mes lives, Let's Play live et tout. Voilà, j'essaye de faire un peu de tout. Voilà, un peu de tout. Comme ça, au moins. On perd pas de temps parce qu'il y a tellement de jeux que je dois vous faire et c'est abusé. Par exemple, j'ai des jeux que j'ai acheté en même temps qu'Avatar qui s'appelle Suicide Squad que je n'ai toujours pas installé, que je n'ai toujours pas. Ouais, toujours pas installé et. Du coup, que j'ai toujours pas installé, que j'ai. Qui est dans sa boîte avec les autres jeux. Du coup. Bah, j'attendrai que Avatar soit fini ou Rise. Voilà. J'attendrai un des deux qui finisse comme ça au moins. Comme ça, il prendra le relais. Allez, t'as meurs toi. Voilà. Allez, poisson! Voilà, bien joué, gamin, bien joué.
Mais en tout cas, ça fait vraiment très très plaisir, hein. Je répète encore une fois, mais je sais que dans les deux premiers épisodes, je vous ai dit, hein, ça fait vraiment très plaisir de retourner sur ce jeu, God of War, sur la licence plutôt même. Ça m'a un peu manqué, pour être honnête avec vous. Ça m'a beaucoup même beaucoup manqué, pour être honnête. Et de retourner sur ce jeu, franchement, c'est du kiff. Eratuan, qui tient son nom Hercule, est la capitale de la Drake et la principale base commerciale pour l'Atlantide. Ok. Alors, est-ce qu'il y a Hercule dans ce jeu? Ah, parce que Hercule, on l'affronte dans Ascension et donc on le revoit dans God of War 3. Évidemment, God of War 3, c'est contre les dieux. Évidemment. Du coup, t'as Poséidon, t'as toute la compagnie, hein. Mais bon, ça, vous le savez déjà, évidemment, pour ceux qui ont vu mon let's play du troisième opus. Que j'ai trouvé même incroyable. Pour le moment, j'en ai pas un seul où je trouve qu'il est mauvais. Hein. Avec tous les God of War, j'ai bien kiffé. Même Ascension. Hein, Ascension, en plus, que c'est le jeu que j'ai payé le jour de la sortie, hein, quand il a été sorti sur PS3. Et je l'ai saigné très rapide, même. Du coup, je le connais très très bien. Attends. Descends. Descends. Là-bas, t'es bien d'accord, tu peux pas l'aller. Ouais, ok. Je vérifie, hein, parce que des fois, je peux être un peu très rapide et de louper des trucs importants. Hop là, ça je prends. Oh, il y a le chemin que je dois faire. Oh purée. Allez hop, c'est fini. Oui, je mettais une petite musique ambiance. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais pourquoi pas pour me motiver, pour mettre dans la peau du personnage. Chanter une musique de Game of Thrones. C'est parfait. Je suis mis dans les conditions. Hein. Ah là, j'ai les musiques de cash qui arrivent en tête et tout. En fait, il n'y a rien en fait. Ok, il n'y a rien du tout. Nada, Kuchi, Walou. C'est tout ce que vous voulez. Eh ben, du coup, on va aller là-bas. Hein? Si je crois. Bah, attends, j'ai juste une impression que j'ai déjà vu ici. Mais. Oh non! Pourquoi je dis en non? Parce que ça va être long. Ça va être trop long. C'est oui, vous avez compris. C'est qu'on doit faire. On doit faire tout le chemin. En gros, vous faites juste rentrer par la porte. On doit juste ouvrir la porte. Bon, ça va, c'est pas si long que ça.
Oh, tout va bien. Et en haut, on a juste à faire tomber la statue pour ouvrir le passage. Voilà. Bon, allez, hein, Kratos, à ton honneur. Oui! Et sans parachute. Pour ceux qui ont un rêve, je vous adore. Quels idiots, et toi, encore plus que les autres, Kratos, le fantôme de Sparte, le tueur d'Arès, et maintenant, le destructeur de l'Atlantide. Prends garde à toi, Spartiate, la destruction du royaume de Poséidon ne présage rien de bon sur l'Olympe. Je me soucie peu des dieux, et pourtant tu es un des leurs. Je n'ai pas demandé le trône d'Arès. Tu as le privilège de marcher aux côtés des dieux. Et pourtant, tu craches sur l'honneur qui t'a été fait. Les dieux peuvent garder leur honneur. Je veux juste retrouver mon frère. Ah oui, l'autre. Tu peux essayer, mais c'est peine perdue. Tu ne le trouveras jamais. Et par toute cette destruction, tu as supprimé l'unique chemin vers ton salut. Ceci est tout ce qui t'attend à la fin de ton voyage. Pas avant que je trouve Deimos. Sois prudent, mon fils, et rebrousse chemin. Ne cherche pas le domaine de la mort. Excusez-moi, j'étais en train de juste boire. Il croit vraiment qu'on va se repousser ce chemin, lui. Oh, la clé de la traite. Est-ce que c'est un nouvel objet? Ah non, pas du tout. Ok. 5000, qu'est-ce qu'on peut... Vas-y, on va améliorer quasiment celui-là complètement. Voilà, il reste pas grand-chose. Il reste 496. Ah oui, bah oui. Ah oui. C'est pour ouvrir la porte, bien sûr. On pourra continuer notre chemin. Les rues de Héraklion. Héraklion, Héraklion, c'est comme vous voulez, vous prononcez comme vous voulez. Et puis voilà. Oh, si j'aurais le temps pour faire un dernier épisode après. Comme ça, au moins, on avance bien dans ce jeu et. Déjà, là, on va tourner 40... ouais, entre 40 minutes et 50, comme on fait d'habitude. Hein. Ça change pas. Vu que c'est. Moi, je trouve que c'est bien. C'est pas trop long, c'est. Un temps très agréable pour vous, je trouve. De faire juste autant comme ça et. Après, voilà quoi. Ah! Yes, on peut monter. Attends, le côté. Est-ce qu'il y a un chemin de côté? Non. Ok! Alors. Vas-y, miam, 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 miam. Delicious. Ça, je coupe. Ça, on tue. Hop, un petit coup de sauvegarde. Même si... Alors, c'est un jeu que je sauvegarde tout le temps. C'est plus fort que moi. Dès que je vois un point de sauvegarde, je sauvegarde. Voilà. Et en fait, j'ai tellement pris l'habitude de pour bah, certains jeux qu'il faut vraiment très important de sauvegarder. Sinon, on va être obligé de recommencer une bonne partie du jeu. Et ben, du coup, bah, j'ai tous les tics comme ça. Dès que je vois un point sur garde, je le sauvegarde. Comme ça, au moins. Au moins, comme ça, c'est payé. Ah! Oh, un petit coffre qui me fait plaisir, c'est pourquoi. Oh! Il reste encore deux et je débloque encore une deuxième fois, hein, ce qui sera amélioré à fond. Avec les yeux. Et ça, c'est cool! Ah, nouveau monstre!
Ah, c'est la prêtresse ou je sais plus quoi. Ah, j'ai eu des tests là, purée. Bah, en fait, dans les God of War, j'ai bien des mieux où je déteste les affronter. Mais je crois que les méchants que je déteste le plus, ce sera les Médusas. Bien, voilà, crève. Oh putain. Allez, lâche-moi, 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 lâche-moi. Voilà, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, je vais améliorer à fond ceci. Voilà. Parfait, niveau 3. Je vais améliorer quoi d'autre? Ça, c'est quoi? Ça, c'est LOL. Non, LOL, je n'utilise pas beaucoup. Par contre, le fléau, je veux bien améliorer. Lui, le fléau, bah, c'est le truc que j'utilise hein, le plus souvent. Du coup, je pense que je vais améliorer ça. Parfait. Est-ce que j'ai fait bon choix de prendre le blanc? Oh. Il est vraiment, il est vraiment phénoménal. Oula, oula, ça commence à être chaud là. Oula. Oh purée. Yeah. Bon, j'ai essayé de faire le rire de Rayman, mais ça n'a pas fonctionné. Ah. Les flashbacks. Et en plus ça fait ça depuis le premier hein. Rappelez-vous hein, dans le premier jeu que j'avais fait bah, merde, comment ça s'appelle le truc Olympus et puis Chain of Olympus et puis le premier God of War premier du nom, on voit ça hein. On voit les flashbacks de Kratos avec son frère et tout. Bah, on savait bien c'était son frère qu'on voyait, mais voilà quoi, on l'a vu de temps en temps. Et ça, je kiffe les jeux comme ça, ça suit vraiment, chaque épisode, ça suit en fait. On apprend plus sur bah, le frère de Kratos et tout. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool, les jeux comme ça qu'on... Je préfère avoir des jeux où ça suit vraiment de A à Z que des jeux où t'en as beaucoup et puis ça suit pas en fait. Je trouve ça un peu nul, personnellement. Après, peut-être parce que j'ai pris l'habitude avec God of War, avec d'autres jeux. En tout cas, c'est mon avis perso. Voilà. Après, n'hésitez pas à dire à vous aussi si vous préférez avoir des histoires, si ça suit ou pas. N'hésitez surtout pas à me dire tout ça. Ah, on revient dans le truc Athéna. Évidemment, toujours la statuette cassée. Et qu'on puisse enfin y aller à la deuxième porte. Tout simplement. Ici, il n'y a rien. Ici. Y a rien non plus. Ok, voilà, bah, on y va. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est un truc qui disparaît et tout. Oh. Bon, qu'est-ce qu'il veut lui?
Allez, viens m'affronter, toi. Ça noob. Allez, viens là. Tu me fais pas peur, toi. Hein. Affronte le tueur de Dieu. Voilà, tiens. Et bim! Oh, vas-y. Écrase-le avec sa grosse bouboule. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon, bah, je crois qu'il faut passer tout droit. Par contre, il fait tout noir, là, ça. Ah non, c'est bon. Ok. Oh. Oh. Ça, je prends. Ah, les plumes qui sont enfin finies. Ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est bien, ça. Après, les cornes. Et les cornes sont terminées. Let's go. Ça, c'est cool aussi. Voilà, ça fait plaisir. Ah. Ça, j'aime bien ça. Il y aura une cinématique? Oh oui, c'est même cinématique qu'il va avoir. C'est quasiment sûr. Pas du tout. Ah, bah le jeu me dit non. Ok. Bah pour moi, c'était pour moi quasiment être sûr d'avoir une cinématique. Hein, quand on voit une porte fermée comme ça. T'attendre à tout et en fait contre le jeu il te dit non pas maintenant pas encore tu auras peut-être tout à l'heure ta cinématique mais pas tout de suite alors me casse pas les pieds quand le jeu il dit non c'est non j'étais quand même à deux doigts de boire un coup hein. Ah le jeu comment il m'a braillé. C'est fou. Ah, on revoit ici. Ah ouais, en fait, là, on refait tout le chemin à l'envers jusqu'à qu'on ouvre les portes. Parce que, là, évidemment, on avait passé par là. Ouais, avant ça explose. Ok. Bon, allez, go. On peut ouvrir les portes maintenant. Bon, là, je dis rien du tout. Parce que je sais que ça va pas avoir de cinématique. Voilà. On arrive à un point de sauvegardement. Et on est au mont d'Alrona. Daronia, c'est. Bon, vous prononcez comme vous voulez. Ah, nous avons vu qu'il y a un champ de bataille. Oh. Ah, je crois que c'est le combat final, elle. J'ai un doute, mais je crois que c'est le combat final. Ah non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oubliez ça. C'est un autre combat, c'est sûr. Je vais pas vous spoiler, mais c'est bon, je sais c'est qui au combat final. Ah, magnifique musique qu'on entend au fond. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ah, c'est pour ouvrir le passage? Ok. Hop là. Nous, on perd pas de temps.
vous cache pas, les amis, j'ai encore mal à la gorge depuis ce week-end. Mais bon, pas grave. Oh, attends, mon gros. Attends, mon gros, je veux améliorer mon truc. J'ai passé. Putain, wesh. Et bim! Et bim! Ah bah oui! Il se dit, bah vas-y, il arrive à le défoncer un. On va mettre le deuxième, hein? On va voir s'il fait son malin l'autre. Tiens. Ça pique. Ça pique un peu, hein? Tiens. Voilà, tiens. Oh, c'est pas toi. Mais c'est pas grave. T'as voulu défendre ton pote. Eh ben, c'est toi qui es mort. Oh, bah, toi, t'es mort. Allez hop. Et quick. Et ben voilà. Parfait. Alors, ici, j'ai vu. Voilà, j'avais vu ça. Et voilà le dernier œil. Parfait. Le dernier rôle. Et la première plume. Alors je sais pas du tout, les amis, par contre là. Si j'avais pris. Bah, si j'ai récupéré déjà le dernier rôle du jeu. Je sais pas du tout. Je crois que ça va encore arrondir encore un petit peu. Mais vraiment un petit chouïa. Et pourquoi il dit Seigneur, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas vu mon let's play sur God of War premier du nom, bah, vous pouvez pas savoir pourquoi il s'appelle le Seigneur, hein, mon Seigneur et tout. Mais pour ceux qui ont vu, bah, vous savez pourquoi. Voilà. Après, ils sont disponibles, hein, sur YouTube, hein, sur ma chaîne. Pour ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas. C'est hein. Gratuit. Et j'en suis sûr que ça peut vous pouvez kiffer. Sérieux, frère? Attends, pourquoi il demande. Pourquoi on peut aller jusqu'ici? En fait, c'est un peu débile, en fait, que je viens de faire, non? Ouais, c'est un peu débile, hein, que je viens de faire. Ah, attends. C'est pas si débile que ça. Oh, un peu. Un petit chouïa. Oh, purée. Mais plus qu'il y avait ça. Oh. 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 Ah bah, je crois que je suis obligé de passer par là, maintenant. Non, par contre, j'ai bien fait. J'ai super bien fait. Mais par contre, je me rappelais plus qu'il y avait ça. Oh, oh, ça va être des trucs relous. Oh, nouveau coffre que j'aime bien. Et la première corne.
Ah bah si, j'étais obligé de faire comme ça. Bah oui. Sinon tu fais comment pour passer? Sinon là tu aurais pas passé. Mais oui. Mais oui, j'ai mis. J'aime bien faire la blague. Oh. Oh. C'est la caserne Alibaba ici. Des voir. On est juste venu ici hein, pour les coffres. Hein. Incroyable. Allez, un nouveau point de sauvegarde. Je veux bien que je sauvegarde, merci. Nous sommes à combien de minutes? 31 minutes, on peut encore avancer jusqu'au prochain point de sauvegarde. Et puis ça sera bon pour cet épisode. Oula. Attends. Ah! J'ai vu quelque chose que j'aime pas. Désolé. Vous pouvez repartir chez vous si vous voulez. Petit oiseau. Bah, rentre oiseau même. Et je pense même que c'est pas un oiseau. Oh vache! Alors eux je les tue en premier parce que si les autres me gèlent, je pense que ce sera les premiers qui vont me tirer dessus. Ok. Bon attends. Oui je prends mon temps pour ouvrir le coffre. Eh ben voilà! Parfait! Excellent! Attends. Ah! Je savais qu'il y avait un coffre. Ok. Alors, je sais pas on va où, mais on y va, hein. Ah, c'est peut-être la méchante qu'on a vue, des amis, qui a la clé. T'as la tête ou je sais plus trop quoi. Là. Oh là! Ah ouais. Bon, attendant. Attends, attends. Je m'améliore ça, s'il te plaît. Comme ça, en plus, je sais que je peux. Voilà, parfait. Incroyable. Oh, c'est déjà le niveau max! Ah ouais. Oh. Bah, je m'attendais pas à ça. Oh, salaud. Et voilà, t'es mort, gamin. Voilà, parfait. Aïe. Je vais les tuer. Bon, attends. Je vais les massacrer. Ouais, c'est pour mettre tout ça.
pas si c'était pour mettre là. Youhou! Ah, il y a un point sauvegarde là-bas. Ok. Je vois le délire. Il y a un endroit où on peut passer. Oh merde. Bon, je crois que t'étais obligé. Allez, donne-moi ça, Emeline. Voilà, merci. Ah merde, faut aller où là? Ah non, c'est pas par là. Faut aller où? Attends, j'ai oublié de faire un truc ici, c'est obligé. Mais non, c'est pas par là. Ah, attends. Attends voir là. Attends voir. Pourquoi je peux pas y aller? Ah, merci. Merci le jeu. Oh non. Ah, dis pas que c'est chronométré, hein. Allez. C'est bon. Alors. Oh non, les yeux, je les ai pas tous. Ok. Au moins comme ça, je saurai. Ça, je prends. Ça. Je prends aussi. Du coup, on est à combien? 3500 et des poussières. Il reste 6000. Ok. Et là-dessus, les amis, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode numéro. Oui! Numéro 3 de ce Let's Play. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très rapidement pour la suite de cette aventure sur God of War, Ghost of Spartiate, le fantôme de Spartia. Voilà, tout simplement. Allez, des bisous tout le monde. À la prochaine. Tchuss!